Ah, hello les gros queues. Oh mon dieu, ça fait du bien de redire ça. J'espère que vous allez bien, je suis officiellement enfin de retour sur YouTube. Oh my god! Après des semaines et des semaines d'absence, des messages à droite à gauche, mais où est-ce que tu es, Juju? Parce que le petit Juju, non, 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 il fait pas les choses qu'à moitié. Il n'est pas seulement absent que sur YouTube, mais sur tous les réseaux sociaux. Donc je vous le promets, je suis bel et bien de retour chaque semaine. Oh mon dieu! Je vous expliquerai tout ça dans la vidéo de la semaine prochaine. Mais donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit make-up métallique. On va tester à la fin de la vidéo ces trois petits bébés, ces trois petites nouveautés, ces trois petites pépites. Je surkiffe ces lip paints et franchement, vous allez voir à la fin de la vidéo, mon dieu, c'est une bombe. Juste avant de commencer la semaine prochaine, je vais faire une vidéo un petit peu plus chatting, you know. Donc si vous avez des questions, posez-les en barre de commentaires d'infos. Parce que vous êtes pas mal nombreux à m'envoyer des messages en me posant des questions. Donc là, c'est le moment de vous y mettre. Comme ça, j'y répondrai normalement en vidéo la semaine prochaine. Et si jamais il y a trop de questions, je ferai carrément une vidéo ask. Bref, assez blablaté pour ce retour YouTube. On commence tout de suite. Bon les gars, débutons parce que là ça fait une heure que je fais des réglages. Il y a tout le temps un problème, il est 20h34 et j'ai toujours pas commencé à filmer. Ça ne va pas du tout. Bon, on va commencer avec un vieux copain. Aftershave. Ça sent mon enfance, ma jeunesse, blada. Les gars, je commence la vidéo mais je sais même pas quel make-up je vais faire. Genre pour les yeux, j'ai aucune idée. On continue avec l'invocation des produits nostalgiques. Le total cover. Étant donné que l'hiver arrive, c'est de nouveau ma teinte. Donc je vais pouvoir l'utiliser de nouveau. Bon du coup, vous avez pu constater qu'il y a un nouveau décor en fait. De toute façon, je change à chaque vidéo, littéralement. Hein. Si vous avez toujours pas compris que je peux pas vivre sans changement, j'ai voulu tester un nouveau truc. Donc dites-moi si, si ça vous plaît, parce que j'ai envie de savoir quand même. C'est notre chaîne à nous, c'est à vous, à moi, à nous tous. Mais je pense que je reprendrai quand même quelquefois mes fonds coloris, parce que bon, un petit peu de couleur quand même, c'est sympathique. J'ai fait des reflets rosés un petit peu sur le visage. Je sais pas ce que ça rend du tout, hein. On verra bien. Concealer. Maintenant, je prends même plus la peine de maquiller mon front parce que mes cheveux sont tellement longs, les gars, que c'est même plus la peine, en fait. Ce serait gaspiller du produit pour maquiller une partie qu'on ne voit même pas. Bref, on vient poudrer. On va juste poudrer l'entre-deux sourcils, histoire de dire contouring. Ça fait combien de temps que j'ai pas lavé mes pinceaux? Un mois, deux mois? Je ne sais pas, 3 mois. Oh mon dieu. Un petit coup à droite, à gauche. Toi t'es tout et puissant. Oui bien sûr. Je me suis racheté un mini pinceau comme ça parce que l'autre je l'avais utilisé pour la va... Non, il faut pas que je vous le dise. Non, c'est pour une vidéo à venir, il faut pas le dire. La boulette. Oui parce que pendant ces 2 mois d'absence, j'ai quand même tourné quelques petites vidéos, hein. Quand même. D'ailleurs, en parlant de vidéos, j'ai énormément, énormément d'idées qui me viennent, mais pas assez de temps pour toutes les faire, et c'est extrêmement frustrant, parce que j'aimerais trop en faire 2 par semaine. Mais le temps, parce que le temps, voilà. Du coup, les gars, vous allez être contents, enfin j'espère, parce que j'ai planifié au moins 11 vidéos. 11 vidéos, on en a pour jusqu'à janvier. Janvier, les gars. Elle est pas belle, la vie. Elle est pas belle. Maintenant qu'on a un beau petit nez, on va passer au bronzer. Blush. Avec la palette de blush infaillible de chez L'Oréal, toujours la même. On change pas les bonnes habitudes. Je mélange ces trois-là en mode petit fifou. Bon, du coup, pour les yeux, je viens d'avoir une petite révélation. On va partir sur un truc assez nude. Oh my god. Et du coup, je vais prendre la palette Zoeva Cocoa Blend. Et on va même pas primer les paupières parce qu'on est des fifous. Ah oui, j'ai même pas dit la couleur que je prenais. Je prends celle-ci, Substitute for Love, pour la couleur de transition.
Et on va essayer de partir bien loin, parce que j'aime trop quand ça part trop loin. Toujours dans l'excès. Maintenant, on assombrit le coin interne avec la Freshly Toast. J'ai dit coin interne, c'est coin externe. Et on étire petit à petit vers le coin interne cette fois. Et maintenant, on vient du coin interne jusqu'au milieu de la paupière mobile avec cette petite couleur-là. Oh my god, c'est trop beau. Ça le fait avec l'highlighter de chez Fresta. Oh my god, oui. Oh, et puis c'est même encore mieux. On va utiliser l'highlighter Jeffree Star. Maintenant, je viens faire la transition entre les deux, en fait, entre la teinte dorée et la teinte marronnée. Et donc pour ça, je prends mon pinceau doré, tac, et j'alterne avec mon pinceau du marronné. Et on fond petit à petit les deux ensemble. Et je monte un petit peu avec le reste qu'il y a sur le pinceau pour fondre un petit peu en haut. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va supprimer le caca qu'il y a en trop avec une petite lingette. Et touc. Donc bien sûr, je repasse avec un petit peu de concealer pour nettoyer un peu plus correctement. J'adore. Et maintenant, on passe à la paupière inférieure qui est un petit peu spéciale puisque on va ramener du doré ici. Et comme ça, enfin bref, vous allez voir. Donc je vais prendre celui-là cette fois-ci parce qu'il est un peu plus clair que le Jeffree Star. Et je vais venir comme ceci. C'est too late now, c'est sorry. Et maintenant, on reprend tout simplement celle-ci et celle-ci pour refaire exactement la même chose que sur la paupière supérieure, inférieure, supérieure, sur l'inférieure. Et là, je vais venir doucement placer la couleur plus foncée juste en dessous du doré qu'on a mis. Bon, maintenant, il manque, comme qui dirait, quelque chose. Des fossiles. Je me suis totalement convertie au délire des fossiles et je vous avoue que j'ai vraiment craqué. J'ai commencé à importer il y a genre un mois à un tournage BeautyTube et c'est Camille qui m'avait dit « Ouais, tu verras, tu pourras même plus t'en passer. Après, quand tu les enlèves, t'es tellement déçu de tes cils. » Et en fait, c'est tellement ça. Une fois que tu les as plus, tu pleures sur tes petites racines de cils, la naturelle qui... 2-3 poils comme ça, à droite, à gauche. Bref, ceux-là, c'est des Claire's. Ils sont pas vraiment très chers, c'est 6€ en plus pour les porter la masse de temps. J'en ai des beaucoup plus réalistes que ça. Des Black Ops, ils coûtent beaucoup plus cher. Mais du coup, je prends ceux-là pour les vidéos, étant donné que on voit pas vraiment la différence en vidéo. C'est plutôt en vrai qu'on voit que c'est des faux. Parce que je peux vous dire que quand vous rapprochez votre œil, vous voyez que c'est du plastique. On va en mettre la masse parce que les gars, je vous jure que quand le vent se lève sur Paris, oh mon dieu, j'ai qu'une peur, c'est qu'ils s'envolent. On les fait bien sécher. Mon dieu, les gars, j'arrive pas à les coller. Bref, je vais faire ça hors caméra, je reviens parce que je sens que je peux péter un câble. Bon, après 20 minutes de galère, j'ai enfin réussi. Jesus Christ. Et regardez-moi ça, enfin genre franchement ça change absolument tout, mais j'adore les fossiles. Bref, maintenant il est temps de passer à la dernière étape qui est, of course, oh, les lip paints métalliques de chez L'Oréal Paris. C'est une tuerie. Dieu soit loué, ils sont enfin arrivés et donc on va en tester un seul aujourd'hui. Malheureusement, mais il y en aura d'autres dans d'autres vidéos, hein, bien sûr. J'ai plus les noms parce que j'ai enlevé les étiquettes, bien sûr, parce que c'était moche. Je vous le mettrai en barre d'infos si je les retrouve, et même les liens vers les produits. C'est pas du tout sponsorisé, c'est juste parce que des fois vous achetez des produits, vous m'envoyez des photos, et puis du coup je me dis, c'est peut-être plus simple pour vous si c'est listé, enfin bref. Donc on va d'abord tester de le mettre sur toutes les lèvres parce qu'il y a quelques petits problèmes d'opacité. En fait pas du tout. Non mais c'est une grosse blague. Les gars, en fait je les avais testés il y a un mois et on voyait encore les lèvres en dessous, donc c'était un petit peu transparent, mais en fait là il n'y a plus le problème. C'est une grosse blague. Non mais regardez-moi ce métal, c'est pas magnifique. Donc eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le plus foncé au centre. Et c'est un truc de malade. Nous avons terminé. Ah et voilà les croqueuses, cette vidéo est désormais terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Oh là là, c'est trop les phrases habituelles qui remontent et tout, ça fait tellement du bien de reprendre les vidéos, franchement. Bref, parlons de ce look-là et ce petit bébé, des pures merveilles, franchement, je m'attendais pas. En fait, j'ai été surpris,
c'est même pas la première fois que je les porte, mais la première fois que je les ai portés, c'est vrai que j'ai été pas satisfait parce qu'ils étaient pas assez couvrants. Et là, je les ai retestés, enfin celui-là, mais je vous avoue les gens, genre je l'ai remis et le truc est tout à fait opaque. Enfin, vous avez vu en live comme moi, donc je ne comprends absolument pas ce qui s'est passé. Voilà, je deviens fou, je deviens taré. Enfin bon, après si vous voulez aller sur un look des lèvres un petit peu plus soft, vous avez juste à le mettre constipation occasionnelle. Il est temps que ça se termine, il est 23h tout pile. Si vous voulez un rendu des lèvres beaucoup plus soft, mettez-le au milieu, en fait ça va permettre d'highlighter en fait les lèvres, de les rendre un petit peu plus pulpeuses, volumineuses, et ça fait vraiment un effet super cool. J'ai déjà testé, on testera ça dans un make-up plus tard, juste une petite touche au milieu. Avant de terminer cette vidéo, je vous rappelle de poser vos questions en barre de commentaires, comme ça j'y répondrai la semaine prochaine. Et puis écoutez, on va finir sur les phrases habituelles, hein, ça revient. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat, voilà. Tout partout, c'est CroqueJuju tout attaché. Like cette vidéo si elle t'a plu, en tout cas on se retrouve la semaine prochaine, samedi 18h, pour une nouvelle vidéo, hein, pas pour autre chose. Et puis en attendant, écoutez, je vous fais plein de gros bisous, oh mon dieu, ça fait trop du bien de dire ça.